Le cycliste érythréen de 22 ans, auteur d'une nouvelle belle performance lors du Grand Prix de Wallonie, compte bien terminer sa saison sur les chapeaux de roue lors de la course en ligne des championnats du monde. Le 25 septembre prochain à Wollongong, en Australie, c'est maintenant clair, il faudra compter sur le jeune Binyam Girmay, qui entend bien s'inscrire dans le peloton de tête du cyclisme mondial dans les années à venir. Le phénomène érythréen de 22 ans. Médaillé d'argent de la course Espoir des Mondiaux en 2021, vient de réaliser une nouvelle performance de taille lors de la 62e édition du Grand Prix de Wallonie, le 14 septembre, en décrochant la seconde place juste derrière le Néerlandais Mathieu Van Der Poel, l'une des révélations de la saison. Binyam Girmay n'est pourtant pas à son premier coup d'éclat. Il avait déjà signé un exploit en remportant la 10e étape du Tour d'Italie en mai dernier, devant Mathieu Van Der Poel. Une victoire historique pour le cyclisme africain, Girmay devenant alors le premier coureur des Afriques noires à remporter une victoire sur un grand tour. Le duel entre les deux cyclistes devrait devenir récurrent au cours des prochaines années, l'Érythréen ayant démontré sa capacité à tenir tête aux favoris du cyclisme mondial et à remporter des sprints majeurs. De manière générale, c'est l'ensemble de son début d'année 2022 qui a été impressionnant. Avec sa victoire lors de la classique de Gent-Wevelgem en Belgique suivie d'un Tour d'Italie forcément très remarqué, outre sa victoire surprise, avec 6 étapes sur 10 achevées dans le top 5. Il avait dû abandonner prématurément le Giro suite à une blessure à l'œil survenue sur le podium de la 10e étape. Un mois plus tard, pour son retour à la compétition, le cycliste de l'équipe Intermarché Wanty-Gobert signait une nouvelle victoire en remportant le championnat national contre-la-montre disputé à Asmara, en Érythrée. Il a également décroché la 3e place lors du Grand Prix cycliste de Québec 2022, le 9 septembre.